Depuis un an, nous sommes en train d'expérimenter sur le TV dans le banc interactif. De travailler avec la nouvelle technologie de l'information, de capaciter les enfants comme nous-mêmes. Et il y a eu beaucoup d'acquis. Nous avons également la chance de suivre une très belle formation qui nous a permis quand même de faire d'excellentes choses. On a beaucoup appris à gagner, mais on n'a pas tout maîtrisé. Et ce que nous sollicitons tout simplement, c'est donc une remédiation. Pour permettre justement de consolider les acquis. Consolider ce que j'avais déjà acquis l'année dernière. Que la formation puisse être une formation continue. Qu'il ait plus de pratiques. Que ça soit très pragmatique. De l'aspect technique. De renforcer les compétences, notre capacité à utiliser le matériel informatique. Qu'il y ait plus d'indications par rapport à la recherche au niveau des ordinateurs, au niveau des logiciels. Que les enseignants puissent avoir plus de capacité de créer des exercices. J'inviterai tous les collègues à pratiquer davantage la machine. À faire des recherches. Il faut fouiller, il faut manipuler davantage. Aller dans le sens de la création d'outils. Qu'on a vraiment besoin de créer. Parce que du côté des élèves, je n'ai pas d'inquiétude. D'ailleurs, à part le moment, ils commencent à réclamer. Vraiment des leçons sur le télé. Ils sont en train de manipuler sans ma présence et je vois que ça les attire plus que le tableau mural en question. Ces élèves sont déjà engagés. C'est la méthode active où l'élève est au centre de l'apprentissage. Donc ce que je voudrais faire, c'est tout simplement les responsabiliser le plus. Il faut que les élèves puissent faire découvrir eux-mêmes leur propre enseignement. C'est quelque chose qui motive les élèves. Donc tout ce qui motive les élèves, c'est très indispensable pour les enseignements d'apprentissage. J'aimerais vraiment ajouter un peu plus de leçons. Dispenser beaucoup de leçons avec eux. Qu'on puisse échanger. Créer une certaine mutualisation. Il faudra certainement partager. C'est à partir de l'échange qu'on pourra avancer. On va devoir encore davantage nous y mettre pour faire avancer encore dans le débat. Et je souhaite une très bonne continuité. Que ça réussisse, que ça gagne davantage dans les classes. Avec le TBI, tout marche bien dans l'enseignement.